Née le 31 octobre 2005, Léonore d'Espagne est la fille aînée du roi Felipe VI et de la reine espagnole, Letizia d'Espagne. Par conséquent, elle est également la prochaine héritière du trône. Et si, au cours de sa vie, la jeune femme de 17 ans maintenant a longtemps accompagné ses parents lors des déplacements officiels de la famille royale, la princesse des Asturies a véritablement changé au fur et à mesure des années. D'une fillette souriante à la chevelure dorée, Léonore d'Espagne s'est de plus en plus affirmée en une véritable jeune femme, affichant, par la même occasion, des looks aussi formels que ceux de sa mère. Des tenues constamment élégantes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec les années, la grande sœur de la princesse Sofia, née en 2007, ressemble de plus en plus à sa mère. Pour preuve, le 15 décembre dernier, à l'occasion d'une visite officielle des locaux de la Croix-Rouge, à Madrid, la princesse héritière s'était maquillée de la même façon que Letizia d'Espagne. Et la ressemblance entre mère et fille était frappante. Supérieure à Léonore d'Espagne. Retour sur son évolution physique. Léonore d'Espagne. Retour sur ses premières sorties. Ce n'est que lors de son 13e anniversaire, le 31 octobre 2018, que Léonore d'Espagne a effectué sa première sortie publique. À cette occasion, elle était présente aux 40 ans de la Constitution espagnole. Elle avait notamment lu le premier article de ce texte, aux côtés de son père. Ce n'est qu'un an plus tard qu'elle avait fait son tout premier discours, le 18 octobre 2019, au théâtre Campo Amor d'Oviedo, dans le cadre de la remise du prix Princesse des Asturies. Pourtant, ce n'est qu'à l'âge de 15 ans que la princesse Léonore a enfin pu assurer son premier engagement en solitaire, à l'occasion du 30e anniversaire de l'Institut Cervantes. Des sorties solitaires, de plus en plus régulières, qui témoignent que la jeune femme est très impliquée dans son rôle. Crédit photo, Dana Presse.